accueillons du public dans notre amphithéâtre. La dernière conférence avec du public, c'était le 3 mars 2020. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. Alors, on accueille du public, mais avec quelques contraintes. On a pu quand même distribuer quelques invitations. Et donc, à l'IAP, nous sommes heureux de poursuivre notre activité de diffusion de la culture scientifique par le biais de ces conférences publiques que nous donnons donc, tous les premiers mardis de chaque mois. Donc on considère à l'IAP, comme nos collègues scientifiques dans d'autres instituts, que c'est important, notamment à l'époque que nous traversons, de continuer à faire voir ce qu'est la science, comment se fait la science, que la science notamment est l'objet de débats. On débat en science, on débat sur la base d'arguments rationnels, sur la base de chiffres. Les chiffres qu'on débat en science, c'est notre travail, on va dire, de débattre les chiffres, savoir comment on définit les chiffres, comment on les mesure, quelles erreurs on y associe, comment on les interprète. Et bah, c'est ce qu'on fait ici dans cet institut. Et ce qu'on veut montrer également par le biais de ces conférences. Alors, il y a du public, on continue à diffuser en direct sur YouTube. Donc, c'est l'un des avantages de cette épidémie. Elle nous a motivés pour diffuser en direct sur YouTube. Donc, on continue à faire ça. Et donc, ceux qui nous suivent sur YouTube peuvent poser des questions, faire des commentaires sur le chat. J'essaierai de les retranscrire à la fin à notre invité. Il y a déjà quelques commentaires. Et puis, on peut revisionner nos vidéos par la suite sur la chaîne YouTube de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, je vous donne la suite du programme, donc, où de nouveau, nous pourrons, si tout va bien, mais on pense que tout va continuer à s'améliorer, accueillir un petit peu de public, toujours avec nos contraintes. Mais donc, dans quelques jours, les invitations pour notre prochaine conférence seront disponibles sur notre site web. Donc, notre prochaine conférence, ce sera le 2 novembre. Nous recevrons Gonaël Bouet, qui nous parlera de l'inclinaison de Saturne. Et le 7 décembre, nous recevrons Thierry Fouchet qui nous parlera du rover Persévérance et de la mission Mars 2020. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Rémi Cabanac. Rémi est astronome adjoint au CNAP, directeur du Pic du Midi. Et donc, il travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie à l'Université de Toulouse. Alors, Rémi a un parcours très riche. Il a fait ses études entre la France et le Canada. Il a travaillé à l'Institut d'astrophysique ici même il y a quelques années. Par la suite, il a travaillé à l'Observatoire européen austral au Chili, au télescope Canada-France-Hawaï, donc à Hawaï, et puis donc actuellement à l'Observatoire Midi-Pyrénées, et donc notamment au Pic du Midi. Sur tes thématiques de recherche, donc tu travailles sur les galaxies, les groupes de galaxies, les quasars, les lentilles gravitationnelles. Tu es très impliqué également dans l'instrumentation. Tu fais des enseignements également dans ton université. Et donc ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « Les groupes de galaxies, clés de notre compréhension de l'évolution des structures de l'univers ». Je t'en prie. Merci beaucoup Guillaume, bonsoir à tous et toutes. Alors effectivement, c'est un vrai plaisir de revenir à l'IAP après 20 et quelques années. Où j'ai eu le plaisir de faire un postdoc. Et ce soir, je vais vous parler un petit peu de mon domaine thématique un petit peu chéri que j'ai commencé un postdoc à l'ESO, au VLT, où j'ai commencé à découvrir des lentilles gravitationnelles. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, les groupes de galaxies, clés de notre compréhension de l'évolution et de la structure de l'univers. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc, en gros, trois parties tout à fait inégales en durée. La première, assez longue, sur laquelle je vais assez m'étendre, c'est une introduction sur qu'est-ce que l'univers aujourd'hui, comment le voit-on, autant d'un point de vue observationnel que modélisation et simulation. Et puis après, on va entrer dans le domaine plutôt de l'observation. Alors, vous allez voir... la modélisation, la théorie, ça marche toujours très bien, et puis les observations, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on observe les amas de galaxies, et en particulier avec une technique qu'on a développée sur l'effet de lentille gravitationnelle. Et puis, j'ouvrirai en perspective qu'est-ce qui vient dans les années à venir, le futur proche, en termes instrumentaux et en termes d'observation. Alors, je voudrais commencer par l'histoire de l'univers en deux petites frises. Une frise observationnelle, d'un côté, sur la gauche, et puis une frise temporelle. Alors, la frise observationnelle, c'est vraiment l'univers tel qu'on le verrait si jamais on prenait un télescope. Alors, c'est un petit peu stylisé, vous voyez, hein, c'est pas une image absolument parfaite. J'aurais bien voulu avoir un pointeur sur mon écran pour que YouTube en profite, mais le voilà. Donc, on part du Soleil,
D'accord. Et puis on s'éloigne. On s'éloigne, on voit tout d'abord bien sûr les planètes, les étoiles de notre galaxie, très proches, et puis très vite, ça s'arrête et il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire il y a le vide intergalactique entre notre galaxie et les galaxies suivantes. Ces galaxies qui ressemblent beaucoup à la nôtre. Au-delà de ces galaxies, vous commencez à avoir de la structure à grande échelle, des filaments de galaxies, des vides, et tout cela rougit. Rougit parce que plus on s'éloigne, plus la lumière a été émise il y a longtemps, et cette lumière est directement proportionnelle au facteur d'expansion de l'univers. Donc tout cela rougit, faiblit, jusqu'à un moment où les premières étoiles ne se sont pas encore formées, donc il n'y a rien. Il n'y a que du gaz, froid. Donc si on veut voir quelque chose, il faut aller en radio et dans les bandes d'émission de l'hydrogène neutre. Et puis, si on pousse encore un petit peu au-delà, on arrive jusqu'à cette fine ligne rouge qui est tout simplement stylisée la période de recombinaison, donc au tout début de l'univers, quand l'univers avait 400 000 ans. Donc ça, c'est un petit peu la vision de l'observation de l'univers. Maintenant, la vision plus temporelle, vision plus physique, c'est la même chose, mais là, on part du début de l'univers, donc du Big Bang, donc c'est la partie du début, bien sûr, avec une expansion exponentielle d'abord, et ensuite... la fameuse période de recombinaison que l'on a vue tout à l'heure à 400 000 ans, la période sombre où il ne se passe pas grand-chose parce que le gaz froid s'effondre, il n'y a pas encore d'étoiles qui sont formées, et puis les toutes premières étoiles commencent à se former à environ 100 millions d'années après le début de l'univers et commencent à faire des bulles autour d'elles, des bulles de rayonisation. Alors, je pense que la bonne image, c'est de vous dire qu'avant cela, vous êtes dans le brouillard, hein, vous avez des gouttelettes d'eau qui vous empêchent de voir l'univers, et à partir du moment où les étoiles vaporise, rayonise l'environnement, donc vaporise ces gouttelettes d'eau, vous avez de la vapeur d'eau et l'univers devient transparent. Et à partir de là, on voit tout ce qui se passe à peu près avec nos télescopes modernes, à partir du premier milliard d'années jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire de la matière, bien sûr, qui nous intéresse, c'est celle-ci. Point important, l'univers jeune, je reviens sur la période de rayonisation, Cette période-là est observable. Elle est observable avec des satellites qui observent dans les longueurs d'onde centimétriques. Et l'observation elle-même, c'est celle qui est sur la gauche. On voit un rayonnement assez homogène et on bouge par rapport à ce rayonnement. Donc en réalité, la mesure que l'on fait, c'est vraiment une mesure de notre galaxie par rapport à ce rayonnement sphérique autour de nous. Et donc la partie rouge s'éloigne de nous, la partie bleue se rapproche de nous, c'est un effet Doppler. Donc on se dirige dans cette direction. Quand on se met dans le référentiel de cette émission et qu'on soustrait la température moyenne, très homogène, on tombe sur la carte qu'on connaît bien, qui est la carte de ce fameux fond de rayonnement cosmologique sur la droite, qui montre des zones de contraste élevé de température et des zones de contraste plus faibles de température. Ce sont les zones rouges et bleues. Ce contraste de densité est de l'ordre de 1 sur 10 000 fois la température moyenne de l'univers à l'époque. Donc très faible. Il y a de la structure, mais elle est extrêmement faible. Le lac est complètement étal. Un lac qui aurait 1 mètre de profond aurait des vagues de la hauteur de 1 mm. On ne voit rien. D'accord ? Un univers homogène. On peut relier cette température avec le contraste de matière. Quand on voit un contraste de température, on voit un contraste de densité en quantité de matière à un endroit donné. Et donc, voir une température homogène, c'est voir un univers homogène, tout simplement, en matière. Ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, l'univers ressemble à ça. Alors ça, c'est un sondage de galaxies. Donc vous avez deux pointes de tarte, une qui pointe vers le sud, le pôle sud de notre galaxie, et une qui pointe vers le pôle nord de notre galaxie. On est là, et notre galaxie, elle est à peu près dans cette direction-là. Donc là, on ne voit pas. Donc on observe dans les endroits où on peut voir. Chacun des points est une galaxie. Et vous voyez tout de suite qu'entre nous et le premier milliard et demi d'années-lumière, on a beaucoup de structures. On a des zones filamentaires, on a des zones avec beaucoup de galaxies qui forment des amas, voire même des murs, des super-amas, et on a des zones vides. Et on peut s'amuser à faire le même jeu que tout à l'heure, en faisant le contraste de densité des zones de pic de densité dans cette carte. Et quand on fait cette mesure, on voit le résultat, c'est un contraste d'environ 1000. C'est-à-dire qu'en 13,8 milliards d'années, l'âge de l'univers, on est passé d'un contraste de densité de 1 sur 10 millième à 1000, c'est-à-dire en gros 10 millions de fois plus de contraste de densité sur les zones denses de l'univers. Comment y arrive-t-on ?
eh bien, on n'a qu'une seule force pour le faire, on a la gravité, et la gravité n'est pas assez puissante. Donc on n'a pas 36 000 solutions, ou bien on modifie la relativité générale en introduisant des corrections, ou bien on introduit davantage de matière que ce qu'on voit. Et, alors, il y a des débats, mais c'est les raisons pour lesquelles on a inventé cette matière invisible, matière sombre, qui est entre 10 et 100 fois plus importante que la matière lumineuse aujourd'hui, et qui permet, grâce à son effet, qui est strictement d'augmenter le niveau de gravité en 13,8 milliards d'années, de fabriquer à la fois les galaxies, les groupes et les amas de galaxies. Autre point d'élément de mesure aujourd'hui, on sait que l'univers est en expansion accélérée. Ça a été mesuré il y a une vingtaine d'années en observant les supernovas. Alors vous voyez, c'est ce nuage de points noirs ici, dont on mesure la lumière en fonction de la distance. Et on lui ajuste des modèles. Alors le modèle qui ajuste le mieux, c'est celui-ci. Puis il y a deux autres modèles, un petit peu en dessous en jaune, et puis un petit peu encore plus mauvais en rouge. Et ces modèles sont des modèles de paramètres cosmologiques, donc ils définissent la cosmologie dans laquelle on existe. Le modèle du bas, c'est le modèle dans lequel on croyait vivre avant cette découverte, c'est-à-dire un modèle critique, densité critique, sans constante cosmologique. Un modèle assez massif. Et il ne fonctionne pas du tout. Le deuxième modèle jaune, c'est celui qui suppose que l'univers a une densité de matière plus faible, donc beaucoup moins de matière que prévu, et pas d'accélération, donc pas de constante cosmologique, celui-là non plus ne fonctionne pas. En fait, le modèle qui fonctionne, c'est le modèle qui implique l'existence d'une constante cosmologique ou de quelque chose qui accélère aujourd'hui, qu'on appelle l'énergie sombre ou la constante cosmologique. Et cette énergie sombre, elle est proportionnelle, dans le modèle le plus simple, au volume de l'univers. Plus l'univers est grand, plus il contient d'énergie sombre, plus l'énergie sombre repousse les objets les uns les autres. La conséquence, c'est que l'énergie totale de l'univers, si on suppose que cette énergie sombre est une énergie, n'est pas conservée. La loi de conservation de l'énergie ne fonctionne pas à l'échelon de l'univers. Alors si on fait le bilan énergétique de l'univers aujourd'hui, vous avez l'univers tel qu'il était dans le passé, hein, il y a à sa naissance, quand il était tout petit, il n'y avait pas d'énergie sombre et on était dominé par la composante sombre de la matière, l'énergie noire. Et puis il y avait la matière noire. Et puis vous avez des composantes, elles, qui sont visibles, les neutrinos très évanescents, la lumière bien sûr, et les atomes normaux que l'on a autour de nous. Et puis aujourd'hui, eh bien, l'univers a beaucoup grandi et on est complètement dominé par la composante d'énergie sombre. La matière sombre et la matière normale, elles n'ont pas évolué, mais elles ont diminué en proportion par rapport à la quantité d'énergie sombre qui a été produite depuis le début de l'univers. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et ce qu'on peut voir surtout, c'est les petits 4% et quelques de contenu visible de l'univers fait de matière normale. Et c'est ça que l'on cherche à comprendre, c'est l'évolution de cette matière au cours du temps. Alors, l'histoire de la matière, en gros, on peut la résumer à l'histoire de la matière baryonique, celle qu'on voit. C'est une évolution à la fois dans le temps, c'est une évolution dans l'espace, et cette évolution dépend de l'échelle à laquelle on va regarder. Alors, entrer un petit peu dans le détail. L'évolution dans le temps, c'est la transformation du gaz primordial, donc des conditions initiales, en gros, en étoiles qui brillent, en poussière, en gaz enrichi de métaux, à travers les étoiles qui naissent, vivent et meurent. Et c'est aussi l'histoire de la complexification de la matière, en quelque sorte, depuis le début de l'univers jusqu'à nos jours, jusqu'à des molécules et la vie qu'on connaît sur Terre. L'évolution dans l'espace, c'est une évolution de la fragmentation et de la répartition, de la distribution de cette matière tout autour, qui se fait en parallèle avec l'évolution temporelle de la matière. Et donc, cet ensemble, cette évolution, elle fonctionne, elle dépend de différents facteurs, et on le verra, et elle forme des objets de plus en plus grands, hein, de façon hiérarchique. On commence par les petits objets, puis ensuite on forme les galaxies, puis les groupes, les amas de galaxies, et finalement les grands réseaux filamentaires. Et donc cette évolution dépend, la physique de l'évolution dépend de l'échelle. Comme je viens de vous le dire, l'évolution à très très grande échelle, elle est dominée par la fabrique de l'univers elle-même, les paramètres cosmologiques, la cosmologie dans laquelle on vit. Et donc ça, c'est toutes les très très grandes structures, les filaments, jusqu'aux amas de galaxies,
ceux-là, ils sont vraiment totalement, pas totalement, mais en grande partie définis par l'effondrement de ce fluide cosmologique de matière sombre. Donc on n'a pas besoin de matière lumineuse, qui ne représente que 4%. On n'utilise que les composantes sombres, on les fait évoluer, et elles prédisent des lois d'échelle qui relient la lumière avec la masse des objets, par exemple. Elle prédit aussi le nombre d'amas qu'on peut observer, très grands amas de galaxies. Elle prédit aussi certains profils de densité de cette matière visible. Voilà. Donc ça, c'est à très grande échelle, la cosmologie domine les effets observés. À l'autre bout du spectre, à petite échelle, à l'échelle des tout petits objets autogravitants, galaxies par exemple, là, ce qu'on voit, c'est la matière baryonique, donc c'est la matière normale. Hein, elle est concentrée dans ces zones-là, et on est dominé par ces effets physiques-là. Donc, pour expliquer l'évolution d'une galaxie, on n'a pas besoin de matière sombre, ou très peu, au centre de la galaxie, on est vraiment dominé physiquement par les effets baryoniques. Par exemple, les effets de gravité, l'efficacité de la formation des étoiles, va dépendre des rayonnements internes à la physique baryonique des objets. La création des métaux, par exemple. Et puis le milieu interstellaire, les échanges, des transferts de rayonnement entre les différents types d'étoiles dans une galaxie, tout ça, c'est parfaitement compréhensible uniquement avec de la physique et des effets baryoniques. Alors, pourquoi étudier les groupes de galaxies? Les groupes de galaxies, on le verra, ce sont des êtres, entre guillemets, qui couvrent environ un espace de masse entre 2 et 10 galaxies. Et ce sont des laboratoires assez complets. Pourquoi? Parce qu'ils ont une masse intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi gros que des amas, et ils ne sont pas aussi petits que des galaxies. Et donc, vraiment, ils chevauchent les deux domaines, et ils sont sensibles aux deux types d'effets, à la fois les effets cosmologiques sur l'extérieur des amas, et sur la façon dont ils se forment, sur leur nombre, etc., et puis les effets baryoniques dans les galaxies et entre les galaxies, sont importants à l'échelle des groupes de galaxies. Autrement dit, ce sont des laboratoires complets que l'on peut étudier pour comprendre à la fois la physique baryonique et la physique à très grande échelle cosmologique. Et donc, les groupes offrent vraiment une perspective unique sur la formation des structures et sur l'évolution temporelle de cette formation stellaire à travers l'espace-temps. Alors, revenons un petit peu sur cette évolution temporelle. Les modèles se basent sur des conditions initiales, c'est-à-dire une composition de gaz primordial. On part de là, hein, dans les modèles, et cette composition, elle est complètement définie par les sections efficaces des éléments au tout début de l'univers qui font émerger une proportion entre l'hydrogène, l'hélium, le deutérium, l'hélium-3, et puis un tout petit peu de lithium. Et puis tous les autres atomes ne sont pas formés au début de l'univers, ils sont formés après, dans les étoiles. Au début de l'univers, on forme un gaz primordial qui recouvre ces quatre espèces, et dans la proportion qui est indiquée ici. Donc, 100 atomes d'hydrogène, 10 atomes d'hélium, 0,001 atome de deutérium, il n'y en a pas beaucoup, et puis des traces encore plus faibles d'hélium-3 et de lithium. D'accord ? Donc ça, c'est ce que prédisent les modèles théoriques. Après, on est allé observer. Et quand on observe les zones où on pense que le gaz est à peu près primordial, on voit le graphique qui est sur votre droite ici, où vous avez la proportion de chacun des atomes, ici, hélium, deutérium, hélium et lithium, en rapport avec le nombre d'atomes d'hydrogène. En vert, vous avez ici l'observation faite de ces abondances dans les gaz primordiaux. Donc, vous voyez, en vert, c'est les courbes observées. En bleu, vous avez le modèle théorique qui vous prédit ce à quoi on s'attend en fonction du rapport entre le nombre de noyaux, du nombre de protons, on va dire protons plus neutrons, et le nombre de photons, donc d'éléments de lumière. D'accord ? C'est paramétrisé comme ça, et vous voyez que la sonde Planck a fixé très très précisément la quantité de photons, le rapport photon-proton, en mesurant la densité moyenne de l'univers. Et donc, elle nous dit, on devrait être là. Et vous voyez que les observations tombent assez bien avec les modèles. Donc on est assez dans les clous, là. Hein, vous voyez, on est à l'intérieur des erreurs. Sauf pour le lithium, qui est notablement un atome un petit peu difficile à modéliser pour des raisons intrinsèques à sa stabilité et sa fragilité. Voilà, donc ça marche bien. Donc on part là-dessus. Et puis, ce gaz évolue. Et donc, l'étape suivante, c'est de mesurer à l'échelle de l'univers, par des méthodes diverses et variées, je n'entre pas dans le détail, le taux de formation d'étoiles. Ce qu'on a fait ici, à gauche et à droite, c'est mesurer la quantité d'étoiles formées sur la gauche
de façon instantanée, à différentes époques de l'univers. Et vous avez deux échelles. Vous avez une échelle qui est le rougissement de l'univers, en bas, qui va de 0 à... Donc ça, c'est vraiment un facteur... C'est directement proportionnel au facteur d'échelle de l'univers. Hein. Donc 8, ça veut dire que l'univers était 9 fois plus petit que maintenant. D'accord ? Et donc 0, c'est l'univers actuel. Et puis, en face, en haut, vous avez ce qu'on appelle le loopback time, en anglais, pardon pour le jargon, qui est, en gros, le temps qu'a mis la lumière pour nous parvenir de l'endroit où elle était émise. Vous voyez, au début de l'univers, un redshift, un rougissement de 8, on a 13 milliards d'années. D'accord ? La lumière a mis 13 milliards d'années à nous parvenir. Et vous voyez que les deux échelles sont non linéaires. Hein, donc, le lien entre le temps que la lumière parcourt et le rougissement de l'univers, c'est très, très, très non linéaire. Alors, par exemple, entre 0 et 1, vous avez 8 milliards d'années, c'est-à-dire la moitié de l'âge de l'univers qui a été parcouru. Et ensuite, pour tout le reste, c'est l'autre moitié de l'âge de l'univers jusqu'à l'infini. Donc, à gauche, on voit qu'on a un pic d'émission du taux d'étoiles. C'est vraiment le pic qu'on voit. Il y a 10 milliards d'années, il y a eu une explosion de formation d'étoiles. Et puis après, ben, ça a graduellement baissé. Au début, un peu lentement, il y a un plateau, puis ensuite, ça baisse assez vite. C'est une période d'assèchement de la formation d'étoiles qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, il n'y a pratiquement aucune étoile qui est formée. Hein, le taux de formation d'étoiles dans les galaxies autour de nous est pratiquement nul par rapport à ce qui se faisait il y a 10 milliards d'années. Comprendre pourquoi ça s'est passé, c'est important. Et essayer de l'expliquer par les modèles physiques. Et sur la gauche, vous avez, sur la droite, pardon pour vous, vous avez la quantité totale d'étoiles formées. Et ça vous montre qu'effectivement, la plupart des étoiles se sont formées il y a déjà 10, 8 milliards d'années. Vous voyez, la majeure partie des étoiles était déjà formée il y a la moitié de l'âge de l'univers. Voilà, donc ça, c'est ce que nous disent les observations de toute formation de l'univers. Un peu de quelques remarques sur l'évolution spatiale de l'univers, donc la formation des galaxies et des grandes structures, en gros. Donc, cette formation, comme je le disais, elle est en gros régie par, globalement, la relativité générale et l'évolution de ces structures. Elle dépend du fluide cosmique qui s'est effondré depuis le début de l'univers, entre t égale 0 et aujourd'hui. Et les modèles nous disent que, dans le modèle cosmologique actuel, avec une constante cosmologique, l'agrégation se fait de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'on commence à former des petits objets d'abord, et puis les objets moyens, et puis les gros objets, au cours du temps dans l'univers. Donc globalement, pour vous donner une idée, les galaxies elles se forment en premier il y a 10-12 milliards d'années, donc vraiment tout au début de l'univers, en même temps que les premières étoiles, et puis les groupes de galaxies se forment un peu après, hein, autour de 8-12 milliards d'années, et puis les amas de galaxies se forment depuis 8 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous disent les modèles. Et ces équations fondamentales, elles nous donnent des ordres de grandeur assez réalistes de ces phénomènes sur des surdensités faibles. C'est-à-dire, il faut rester à l'échelle de l'univers, à l'échelle de quelques centaines de millions, à voire milliards d'années-lumière, les prédictions sont assez précises. Mais dès qu'on va dans des zones un peu plus denses, où l'effondrement est plus important, on commence à avoir des soucis. Les prédictions commencent à s'effondrer, tout simplement parce que les phénomènes sont tellement non linéaires que les prédictions n'arrivent pas au bout de leur... elles sont mauvaises, tout simplement. On n'arrive pas à prédire les bons objets. Donc, pour pouvoir prédire, il faut aller du côté des simulations numériques qui, elles, peuvent nous faire des prédictions numériques. Donc, et un peu plus précises, quantitatives. Donc, les simulations numériques... En gros, il y a deux sortes de simulations numériques. Il y a les simulations numériques qui n'utilisent que de la matière sombre, les composantes principales, donc la matière sombre, l'énergie sombre, et qui les font évoluer à partir de juste de la gravité et de ce qu'on appelle les simulations à n corps. D'accord ? Et tous les effets physiques sont rajoutés par-dessus, sont un petit peu peints sur les halos de matière qu'on a créés, qui se sont effondrés au cours du temps, par des méthodes, qu'on appelle les méthodes semi-analytiques, qui sont des recettes de cuisine, qui sont un petit peu calculées sur les observations qu'on fait autour de nous. D'accord ? Donc la dimension prédictive de ces simulations numériques à n-corps, en termes de combien de lumière émettent ces halos de matière sombre, sont pratiquement inexistantes. En revanche, ils nous renseignent très très bien sur la structure, la quantité de masse répartie, le nombre d'objets en fonction de la masse. Donc, c'est leur rôle.
Alors, les dernières simulations, qui datent de cette année, vous voyez, c'est des simulations absolument gigantesques. Hein. Vous avez plusieurs dizaines de milliards de particules sur des volumes qui correspondent à peu près à, là, vous voyez, 2000 mégaparsecs. Donc, un mégaparsec, c'est 3 années-lumière. Donc, c'est 6 milliards d'années-lumière hein, de diamètre. Donc, ça représente une portion non négligeable de l'univers. Et donc, vous voyez ici, alors tout le réseau filamentaire qu'on voit tout en haut, on l'a zoomé sur le petit carré que vous voyez en bas. Donc, je vous rappelle que tout ça, c'est de la matière sombre. Hein. Il n'y a aucune lumière là-dedans, c'est que des composantes sombres. Et ensuite, on zoome sur l'espèce d'amas de galaxies. Et vous voyez qu'on réussit à prédire quand même une certaine hiérarchie de structures dans la quantité de matière présente dans un amas. Mais ça ne va pas plus loin. Si on veut aller pousser un petit peu et faire un peu de physique, on doit se tourner vers ce qu'on appelle les simulations numériques magnéto-hydrodynamique, qui inclut le gaz et la physique baryonique du gaz en même temps que la composante sombre. Alors vous pourriez me dire, pourquoi l'a-t-on pas fait avant ? Tout simplement parce que la physique associée est assez compliquée, c'est complexe de réaliser ces simulations numériques, et on a mis un certain nombre d'années à comprendre comment fonctionnaient les simulations, et puis ça demande énormément de puissance de calcul. Donc, on a commencé à le faire il y a une quinzaine, vingtaine d'années, et aujourd'hui, vous voyez, les meilleures simulations vous donnent des choses assez jolies. Et je vais vous montrer un exemple ici, donc je démarre, j'espère que ça va marcher. Une simulation qui s'appelle Illustris, ça tourne ou non ? Oui. Et donc, vous voyez, sur la gauche, vous avez la composante sombre de l'univers, on part de ça, et l'univers passe, vous voyez, je ne sais pas si le redshift, vous pouvez le voir de là où vous êtes, on voit l'univers qui est en train de se concentrer. Donc les halos sont en train de se former. Et puis, sur la droite, vous avez le gaz qui a été inclus, qui est un gaz au début froid, et ensuite on mesure la température du gaz, et c'est ce qu'on affiche ici. On affiche la température du gaz et sa densité. Et vous voyez que là où il y a beaucoup de matière sombre, se forment aussi les premiers objets, les premières étoiles. Et vous voyez, il y a comme des flashs un petit peu dans cette simulation. Là, on est rendu à 4 milliards d'années de nous, et vous voyez qu'on a commencé à former beaucoup de formations d'étoiles, et le gaz commence à être expulsé. Hein. Quand vous avez un sursaut de formation d'étoiles avec beaucoup de supernovas, on a un effet qui expulse le gaz et qui forme ces espèces de halos rouges qui sont en fait la façon d'imager le gaz très chaud, à plusieurs millions de degrés, qu'on ne voit qu'en X. D'accord ? Voilà, donc ça, ce sont les prédictions que l'on fait. Et puis, celle que j'ai lancée à côté, c'est Si on observe avec un télescope optique, on va voir ce qu'on a sur la gauche ici, qui est la formation d'une galaxie elliptique. Et vous voyez, c'est un groupe de galaxies qui sont en train de fusionner entre elles et qui vont finir par former une espèce de halo d'étoiles mortes, hein, sans gaz. Et vous voyez ici le gaz sur la droite, sur cette deuxième simulation, qui est en train d'être expulsé petit à petit de la zone de formation. Et à la fin, eh bien, vous n'avez pratiquement plus de gaz visible, il ne vous reste qu'une galaxie au centre qui est pratiquement dépourvue de gaz, c'est la formation d'une galaxie elliptique. Et donc, vous voyez, ces simulations commencent à donner des renseignements intéressants et qui ont l'air réalistes, hein, qui ont l'air de donner au moins des idées de réflexion sur comment la physique évolue dans les objets. Mais il faut faire très attention, parce que pour réalistes que ces simulations semblent être, elles sont quand même très très peu résolues. Et en réalité, la physique elle-même de formation des étoiles, dans ces simulations, ce sont aussi des recettes. On aurait besoin de descendre à une résolution de l'ordre de quelques fractions d'années-lumière sur l'échelle de l'univers pour avoir des simulations suffisamment résolues pour bien prendre en compte la formation d'étoiles là où elle se fait. Et en réalité, on a quelques dizaines de milliers d'années-lumière de résolution. Donc on est très 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 au-delà de ce dont on a besoin pour faire des prédictions réalistes. Mais on peut quand même quantifier l'impact de certains phénomènes physiques sur les galaxies. Bien, alors, deux mots sur la formation des étoiles. Les étoiles, ou la formation stellaire en général, fonctionne un petit peu comme un moteur avec un carburant et une source d'énergie.
Vous accélérez votre voiture, elle va accélérer plus vite, vous allez former davantage d'étoiles si vous avez davantage de gaz. Si vous avez des moyens de ralentir la quantité de gaz présente dans un endroit donné, vous allez tout simplement ralentir la quantité d'étoiles qui vont être formées à cet endroit-là. Et donc, vous avez les effets physiques qui augmentent ou qui ralentissent cette formation des étoiles. Et tout l'objet, bien sûr, des astrophysiciens, c'est de comprendre quels effets physiques influent dans quel cas. Alors, des effets physiques, par exemple, vous en avez ici. Hein, vous avez ici une image de la galaxie de l'antenne. Alors, effets positifs, ce sont les effets qui augmentent la formation des étoiles. Donc, vous avez des instabilités dynamiques qui peuvent produire des effondrements relatifs de nuages de gaz. Hein, ils sont perturbés, ils s'effondrent. Vous avez les fusions de galaxies, cannibalisme. Là, vous avez une fusion de galaxies très connue, hein, c'est la galaxie de l'antenne. Les deux galaxies se cognent entre elles. Alors, bien sûr, les étoiles, elles ne se voient pas, mais les nuages de gaz, eux, ils entrent en collision, et ils s'effondrent et ils forment de nouvelles étoiles. C'est la composante rouge que vous avez là. Et puis, vous avez ces queues de marée ici qui vous montrent que la forme des galaxies va aussi évoluer. Ces effets de marée, on les voit, ils peuvent être positifs ou négatifs, dépendant du cisaillement provoqué sur le gaz résiduel. Et puis, il y a un effet qui, lui, est un effet plutôt à très, très grande échelle, qui est un courant de refroidissement sur le gaz qui est à l'extérieur, autour de ces zones très denses de galaxies. Et ce gaz, en rayonnant, en se refroidissant, il va se contracter et il va rejoindre les centres des zones pour former davantage d'étoiles. Donc, c'est ce qu'on appelle les courants de refroidissement. Voilà, en gros, les quatre effets positifs influents. Et puis, les effets négatifs, ben, c'est eux qui nous intéressent, hein, parce que les effets négatifs, ils doivent dominer à partir de 8 milliards d'années dans l'univers. Donc, ces effets négatifs, ils sont de deux sortes. Il y a les effets de rétroaction dues aux formations d'étoiles elles-mêmes. Je vous l'ai dit, les étoiles se forment en sursaut, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ces espèces d'explosions. Et quand un groupe d'étoiles supernova explose en même temps dans une galaxie, le mouvement, le souffle de l'explosion expulse complètement le gaz de la galaxie, si la galaxie est assez légère. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le vent explosif, la rétroaction des supernovas. Souvent, les galaxies, au centre, ont des trous noirs, et ces trous noirs peuvent accumuler de l'énergie et la rayonner vers la galaxie. Alors, on ne sait pas trop comment ça marche, là, hein, ce sont les hypothèses, mais on sait que c'est un phénomène très efficace pour réchauffer le gaz d'une galaxie. Et un gaz chaud ne s'effondre pas. Donc, ça ralentit. Chauffer un gaz, c'est comme l'expulser d'une galaxie. Ça l'empêche de s'effondrer. Donc, un autre phénomène négatif. Et puis, il y a les phénomènes liés au mouvement des objets, phénomènes dynamiques. Une galaxie qui se promène dans un amas de galaxies peut passer proche du centre de l'amas de galaxies, et là, elle va croiser un milieu un peu plus dense. Un milieu un peu plus dense qui va, en gros, arracher, par effet bélier, comme on appelle, arracher le gaz de cette galaxie, et l'arracher de la galaxie, c'est ce qu'on voit ici sous cette image. Vous voyez, cette galaxie, ici, spirale, elle est passée au centre de son amas, et tout son gaz, ici, a été arraché de la galaxie par frottement, finalement, avec le milieu de la galaxie. Donc, elle perd son gaz. Et quand elle passe plusieurs fois, ce qu'on appelle le harassment, eh bien, la galaxie finit par perdre complètement son gaz et être vide de gaz, ne plus former d'étoiles. Donc, voilà un autre effet négatif possible. Alors, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est vraiment quels sont les effets physiques dominants qui ont produit l'arrêt de cette formation d'étoiles il y a 8 milliards d'années, hein, ce que je vous ai montré tout au début, dans l'univers. On a des hypothèses, mais après, il faut aller vérifier. Comment la matière sombre s'est agencée au cours du temps ? On sait que la matière sombre est prédite, ça veut dire de façon hiérarchique, mais c'est une prédiction, c'est un modèle. Après, il faut aller vérifier. Il faut pouvoir observer cette matière et l'évolution de cette matière du début de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Que se passe-t-il à la transition entre les zones en expansion, hein, donc une partie de l'univers confinée comme un amas de galaxies, une galaxie ou un groupe de galaxies, ne voit pas l'expansion. Hein, elle évolue dans son coin et elle ne voit pas l'expansion. Mais un petit peu au-delà, eh bien, l'expansion de l'univers commence à prendre sa mesure, et cette zone-là, ici, bah, c'est une zone qui est intéressante parce qu'elle est très peu connue, elle est assez compliquée à détecter, donc c'est ce genre de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et bah, tout ça, ce sont des questions qui sont particulièrement adaptées aux groupes de galaxies, tout simplement parce qu'ils ont cette masse intermédiaire qui permet d'aller sonder ces questions-là en sélectionnant correctement un type de groupe plutôt qu'un autre. Bien. Fin d'introduction. On passe à la deuxième partie, qui est la partie plus observationnelle.
Donc, à quoi ressemblent les groupes de galaxies? Et puis, je me focaliserai un petit peu plus sur les résultats que j'ai obtenus avec mes équipes, qui sont des résultats sur les groupes lentilles de galaxies, donc détectés par effet de lentilles. Tout d'abord, les groupes de galaxies dans l'univers local, il faut essayer de définir, trouver une définition des groupes de galaxies. Alors, en théologie, une définition apophatique, vous savez, c'est une définition qui définit Dieu parce qu'il n'est pas. D'accord ? Alors, on peut essayer d'appliquer cette définition aux groupes de galaxies en disant que un groupe de galaxies, ce n'est ni une galaxie, ni un amas de galaxies. D'accord ? C'est le reste. Donc, c'est assez vague. C'est assez vague et ça couvre un domaine de paramètres assez gigantesque. Et donc, les gens, ils n'aiment pas trop... étudier les choses un peu floues, les physiciens, donc ça a assez peu été étudié jusqu'à très récemment, où on a commencé à pouvoir un petit peu mieux définir ce que un groupe de galaxies. Bon, cependant, c'est déjà quelque chose de dire que ce n'est ni une galaxie ni un amas de galaxies. Ça nous donne déjà un intervalle de masse. Et l'intervalle de masse, donné ici en puissance de 10, hein, donc chaque puissance de 10, c'est un facteur 10 par rapport au précédent, donc vous voyez, le groupe, c'est entre, on va dire, 100 000 milliards d'étoiles et 10 000 milliards d'étoiles. Bon, en gros, entre deux galaxies et 100 galaxies, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, très bien. Les groupes de galaxies, en fait, c'est l'immense majorité des galaxies qui font partie de groupes de galaxies. La plupart des galaxies ne sont pas isolées. Elles font partie de sous-ensembles qui sont des groupes de galaxies, de petits nombres en général, mais ça va jusqu'à 100 galaxies. Et ils ont des tailles, des formes et des luminosités très diverses. Alors par exemple, le groupe local, c'est le groupe dans lequel notre galaxie vit. Donc vous voyez, c'est un groupe qui a une masse de 1,3 10 puissance 12, donc c'est plus massif qu'une galaxie, et c'est un groupe qui a une structure hiérarchique, donc je vais essayer d'appuyer, voilà. Et donc la structure hiérarchique, vous la voyez ici, au centre de la sphère qui fait 1 million d'années-lumière, hein, c'est des sphères de 1 million d'années-lumière, pour vous donner une idée de l'échelle. Vous avez la Voie lactée, et puis vous avez deux petits voisins à la Voie lactée. Donc, en gros, pour un facteur 10 en masse, vous avez deux sous-galaxies. Donc, nous, c'est les nuages de Magellan. Et puis vous avez, donc c'est hiérarchique, donc vous avez de plus en plus de petites galaxies, et nous sommes environnés de galaxies tellement petites que si on les mettait à une distance à peine plus grande que la distance du groupe local, on ne les verrait plus, hein, parce que leur brillance de surface est trop faible. Il n'y a pas assez d'étoiles dans ces galaxies-là. On ne les voit que parce qu'elles sont proches de nous. Et il y en a beaucoup, vous voyez. Ce que ça vous dit, là, c'est que dès qu'on s'éloigne, l'immense majorité des galaxies des groupes disparaissent. On ne les voit plus. On ne voit un groupe que par ces galaxies relativement massives. Centrale, la Voie lactée, ou Andromède. D'accord, voilà. Donc un groupe local, c'est ça, c'est notre groupe à nous. Vous voyez, il y a deux galaxies, elles se rapprochent, hein, donc probablement qu'elles vont finir par fusionner ensemble dans quelques milliards d'années. On ne sera plus là pour le voir. Et l'ensemble de ce groupe tombe dans le superamas, l'amas de la Vierge. Donc tout ça se dirige vers la Vierge. Donc c'est très dynamique. Hein, tout bouge dans l'univers local. Voilà, un groupe typique, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, au-delà d'une certaine distance, on ne voit plus. On ne voit que les galaxies centrales. Un autre type de groupe, c'est les groupes compacts. Et là, je regarde, voilà, vous avez le spécialiste, un des spécialistes mondiaux des groupes compacts qui est assis là-bas, hein, c'est Gary Mamon, et qui a passé une partie de sa carrière à étudier ces groupes, et qui a prouvé d'ailleurs qu'un certain nombre de ces groupes n'en étaient pas, hein, que c'était juste des superpositions factices de galaxies. Alors, les groupes compacts, ils sont intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont quand même en train de fusionner. Hein, la plupart du temps, vous voyez, l'amas de Stephen, le quintet de Stephen, qui est bien connu des astronomes amateurs, c'est un groupe compact, et vous voyez que les galaxies sont très proches, et que les taux de formation d'étoiles sont quand même plus importants. Donc, on voit un groupe en train de former des étoiles. Donc, c'est une phase évolutive des groupes qui est intéressante à étudier, mais qui est probablement très courte, parce que les groupes compacts sont très peu nombreux. Vous voyez, dans l'univers local, il y en a environ 406. Voilà, pour les dernières études qui ont été faites sur le volume global local de l'univers. Et donc, les groupes peuvent être aussi très compacts, hein, avec des galaxies qui ont à peu près les mêmes tailles. Autre type de groupe dans l'univers local, ce qu'on appelle les groupes fossiles.
Alors, je suis désolé, l'image n'est pas très bonne, mais ce groupe-là, c'est l'archétype d'un groupe fossile, c'est-à-dire que, vous voyez, l'image visible, c'est celle qui est en rouge en arrière-plan, et puis les isophotes que vous avez devant, ce sont des émissions X. Donc, c'est du gaz chaud qui est autour de ce groupe local. Donc, autrement dit, ce que vous voyez là, c'est un petit peu la version visible ou mesurée de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la simulation MHD, où on avait ces gros nuages rouges autour des zones de formation d'étoiles et de galaxies. D'accord ? Donc là, on voit un exemple où on a un groupe. Donc, c'est probablement un groupe très évolué qui a été formé il y a longtemps et que l'on voit dans une phase où il est vraiment stabilisé, avec un nuage de gaz X autour et une seule galaxie énorme au centre. Alors l'origine, la façon de formation des groupes fossiles, on n'est pas encore très sûr s'il s'agit d'une galaxie qui a grossi énormément, qui a tout mangé autour d'elle, ce qu'on appelle le groupe manqué, ou bien tout de suite à l'origine, on avait un groupe compact où toutes les galaxies de taille moyenne se sont toutes formées ensemble pour former une galaxie centrale. Et ont expulsé leur gaz à ce moment-là. Donc on ne sait pas trop comment se sont formés ces groupes de galaxies, mais ils nous renseignent sans doute sur les phases finales de formation des groupes de galaxies ou les phases de fin de vie de groupes compacts. Voilà, donc un petit résumé. On a vu que les groupes ont une certaine diversité de stades évolutifs. Ils ont une sous-structure qui peut être complexe. Ils peuvent avoir une grande gamme de brillance de surface, de très brillant à très faible. Et cette variété, on l'a dit, c'est le produit des effets à la fois cosmologiques, à grande échelle, et des effets baryoniques de rétroaction dus aux galaxies du groupe lui-même. Et donc, les groupes de l'univers local, on les voit aujourd'hui tels qu'ils sont. Pour étudier un groupe d'objets, on remonte dans le temps, on va observer les objets de plus en plus lointains, et donc comme la lumière a mis du temps à nous parvenir, on les voit tels qu'ils étaient un peu plus jeunes. Et donc, étudier l'évolution temporelle d'un groupe de galaxies, il faut remonter dans le temps, il faut aller à des décalages spectraux, à des rougissements plus élevés. Et surtout, il faut du nombre. Hein. Il faut, pour étudier statistiquement l'évolution d'une population, il faut des échantillons statistiquement significatifs. Malheureusement, détecter les groupes de galaxies, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas facile pour les raisons que je vous ai expliquées. La plupart du temps, la plupart des galaxies des groupes disparaissent au-delà d'une certaine distance. Quand on voit un amoncement de galaxies dans une direction, comment sait-on qu'il y a vraiment de la matière et que ces galaxies ne sont pas superposées de façon fortuite et qu'en fait, elles sont vraiment un amas de galaxies ensemble. Les galaxies, ça vient de toutes sortes de masses, de formes, de tailles. Et donc, quand on a une superposition d'objets dans la ligne de visée, on ne peut pas savoir s'il y a de la masse ou s'il n'y en a pas. Donc c'est compliqué. Pour caractériser un groupe, il faut identifier ses membres, les membres de galaxies, et puis connaître sa masse, savoir s'il y a beaucoup de masse ou s'il n'y en a pas beaucoup, hein, pour savoir s'ils sont confinés gravitationnellement. Et donc on a besoin de combiner les données dans plusieurs longueurs d'onde. Des données visibles, des données visibles, donc qui nous donnent la lumière visible, la densité spatiale, l'âge des objets. On va aller chercher les spectres des galaxies, pour connaître la vitesse de cet objet qui tourne autour du centre de gravité de l'ensemble, donc la masse dynamique de ce groupe. Et puis, les images X, eh bien, ça nous donne le nuage de gaz chaud qui a pu être expulsé au moment de la création des premières étoiles de ce groupe. D'accord ? Donc, on combine tous ces effets visuels, observationnels, à travers diverses longueurs d'onde, et ça demande beaucoup de données. Donc, ça prend du temps. Et ça prend beaucoup d'efforts pour accumuler un échantillon valide. Et là, j'en viens à la méthode qu'on a développée un petit peu fortuitement, c'est celle de détecter les groupes de lentilles par effet de lentillage gravitationnel. Alors, une lentille gravitationnelle, vous savez ce que c'est, vous en avez vu plein hein, depuis Hubble, c'est ça. Donc, c'est un objet avec des arcs lumineux à l'extérieur et des objets au centre, qui ont l'air, qui ont des têtes de galaxies. Donc ces objets, en fait, ne sont pas des objets, hein, ce sont des superpositions fortuites, aléatoires, d'un objet d'avant-plan, qu'on appelle la lentille, qui est là, qui en fait c'est ces deux objets-là, et une source en arrière-plan, vous voyez l'observateur est ici, regarde dans cette direction. Et la source, on ne la voit pas,
la source, on voit les arcs produits par la déformation de l'espace-temps. Donc, vous voyez un arc bleu ici, donc il y a probablement deux sources, hein, produits par la lentille. Et donc, c'est un événement complètement aléatoire, mais c'est un événement qui a des propriétés assez intéressantes. D'abord, il ne modifie pas la couleur des objets d'arrière-plan. D'accord ? C'est juste un télescope gravitationnel qui va grandir, magnifier l'objet. Donc sa couleur n'est pas modifiée, donc on peut étudier l'objet d'arrière-plan qui serait trop faible apparemment. Et surtout, ça ne dépend pas de la quantité de lumière qu'émet l'objet d'avant-plan, qu'on appelle la lentille. Ça ne dépend que de la quantité de masse totale qu'il y a dans la lentille elle-même. Et donc là, on a un télescope gravitationnel qui nous permet de mesurer directement la masse totale d'un objet. Quand je veux dire totale, c'est lumineuse plus tout le reste, invisible, tout ce qu'il y a. D'accord ? Ça mesure tout. Ça mesure la masse projetée au niveau de la lentille dans le plan du ciel, et donc sur l'espace. Voilà. Et donc, c'est un outil qui est vraiment idéal pour savoir s'il y a de la masse ou non dans un groupe de galaxies ou dans un ensemble d'objets. Donc, les lentilles gravitationnelles servent, depuis qu'on les a découvertes, à essayer de calculer la masse totale qu'on a dans un objet. Et on a commencé à faire ce type d'études dans des sondages de galaxies. Donc ça, c'était au sol, hein, c'était avec le sondage du Canada-France-Hawaii Télescope. Et quand on a fait découvrir les premières lentilles, vous avez ici un ensemble d'une vingtaine de lentilles qui ressemblent toutes à peu près à la même chose. Hein. Alors, elles sont moins résolues que celles que vous avez vues avant parce que c'est pris du sol, ça. Hein. Mais en gros, vous avez des arcs bleus en arrière-plan et puis vous avez au centre la lentille elle-même qui déforme l'espace-temps. Et vous avez au centre, ici, la distribution des lentilles qu'on a découvertes dans le CFHTLS. Et vous voyez, en vert, ce sont des lentilles de taille d'une galaxie, et en bleu, ou bleu clair, ce sont des amas de galaxies. Et vous voyez, en rose, c'est notre échantillon. Et avec l'échantillon, il tombe exactement en masse entre les galaxies et les amas. On avait trouvé un moyen de détecter des groupes de galaxies par effet de lentilles gravitationnelles. Et donc ça, c'était très intéressant parce que ça nous donne directement la masse de l'objet, et vous avez ici le profil de masse de l'objet, pas ici, mais un peu plus loin, et ça nous permet de savoir exactement à la fois la distribution spatiale, vous voyez qu'on couvre une distribution qui est quand même assez large en rougissement, on va jusqu'à un univers d'environ 8 milliards d'années, hein, donc on remonte assez loin. Et donc on peut commencer à se dire, ok, on a 127 lentilles, on va commencer à faire les études d'évolution. Alors, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, mais je vous fais grâce de la totalité des résultats, je vous en montre juste quelques-uns. Et les résultats, ce n'est pas aussi beau que les images, hein, c'est malheureusement des graphiques avec des barres d'erreur, et puis on travaille beaucoup pour savoir si les barres d'erreur sont... La recherche, c'est un peu ça, hein, c'est battre les barres d'erreur. Donc, en gros, dans ce premier travail, on a pris les lentilles qui étaient les plus résolues, on les a observées avec le télescope spatial, et on a fait une analyse fine de la quantité de matière totale qu'on avait dedans. Et vous avez ici la lumière émise par chacun des groupes, chacun des points, en fonction de leur distance ou du décalage spectral. D'accord ? Et ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y avait une évolution dans la lumière des objets, s'ils sont proches ou loin. Hein ? Et vous voyez que le nuage est à peu près aléatoire, donc on n'a pas d'évolution de ces objets, donc on n'a pas de formation d'étoiles ou d'évolution lumineuse de l'objet, entre maintenant et il y a 8 milliards d'années. Donc on est vraiment dans la phase où ils ont déjà fini leur évolution d'étoiles, il y a moins de formation d'étoiles dans ces objets. Et puis sur la droite, vous avez une analyse de la quantité de masse dans le groupe prise à partir d'effets de lentilles, donc effets de lentilles faibles. Et donc là aussi, on voulait voir si on avait une évolution dans la concentration de cette masse, dans la quantité de matière sombre totale, dans ces groupes entre aujourd'hui et il y a 8 milliards d'années. Et vous voyez que de nouveau, on n'a pas grand-chose. Les barres d'erreur sont très grandes, hein, ce n'est pas facile à calculer, mais vous voyez quand même qu'il ne semble pas y avoir d'évolution dans la quantité de matière totale dans ces groupes. Donc on dirait que nos groupes, dans l'ensemble, ils n'évoluent pas depuis 8 milliards d'années. S'il y a eu évolution, elle a eu lieu avant. Et vous avez ici une cartographie de ces objets, où vous avez la distribution de lumière de ces objets, et ça nous permet de savoir si les objets sont perturbés ou non. Si vous avez une lumière à peu près circulaire, hein, un petit peu comme cet objet-ci, ici, vous voyez que la lumière est parfaitement circulaire, l'objet est assez relaxé. Mais ici, par exemple, vous avez deux pics, un ici, donc peut-être qu'on a un groupe qui est en train de fusionner, de même ici ou ici.
Voilà. Donc on a fait la statistique du nombre de perturbations dans les groupes associés aux objets. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le type de choses qu'on peut faire. Un autre exemple ici, la recherche est souvent confrontée à différents types de méthodes pour faire la même mesure, pour vérifier ce qu'on a fait. Et là, vous avez ici, toujours en fonction de la distance, deux méthodes différentes pour calculer la dispersion de vitesse, donc la masse de nos groupes. Alors, on n'a pu le faire que sur une dizaine de groupes, parce qu'on a besoin d'aller chercher les spectres des objets. Vous voyez, chacun des histogrammes ici, on a pris toutes les galaxies, on a mesuré leur distance et on a mesuré leur vitesse par rapport au centre de l'objet. Et donc, ça nous permet de voir qu'on a une différence entre la masse détectée à partir du mouvement des galaxies et la masse totale détectée en weak lensing. Vous voyez, la masse détectée en lensing, elle est plus importante. Alors, les barres d'erreur sont grandes. Question qu'on se pose, est-ce significatif? Y a-t-il un biais d'observation? Y a-t-il un biais de mesure? Est-ce que le modèle qu'on a utilisé était bien optimal? Bref, toutes ces questions n'ont pas toutes des réponses et elles peuvent expliquer la différence. Pour autant, on mesure une différence qui est significative en regard des barres d'erreur. Et ce n'est pas le cas du tout pour les objets que vous avez sur la partie gauche du graphique, celle-ci. Ces objets-là, ce sont des galaxies. Donc les galaxies semblent ne pas montrer de différence entre les deux types de mesures, alors que les groupes de galaxies le font. Voit-on un impact des effets cosmologiques vis-à-vis des effets baryoniques? Question. On a fait l'étude du profil de matière sombre pour certains de nos groupes pour lesquels on pouvait le faire. Et là, vous avez, alors, Ushu, que je vous ai montré tout à l'heure, la simulation à N-Core, c'est le graphique que vous avez ici qui vous donne, en gros, la concentration de matière sombre en fonction de la masse du groupe. D'accord ? Puis les différentes lignes ici correspondent à des différentes valeurs de distance, de formation, si les objets sont formés à Z0 jusqu'à un Z7. D'accord ? Donc vous voyez que la concentration évolue dans le temps. Donc observez aujourd'hui, à Z égale 0, notre groupe ici tombe là. Donc il semble que les modèles, les simulations, ne fonctionnent pas tellement bien avec la position de concentration de notre groupe. Oui. C'est moi qui parle. Peut-être que tu as la projection avec le mode présentateur. La souris, on ne la voit pas à l'écran. Ah, d'accord, très bien. OK. Donc, je peux arrêter de... Bon, de toute façon, vous la voyez. Ah, ben, vous ne la voyez pas, oui, c'est vrai. Bon, tant pis. Donc, oui, je peux la faire passer, mais là, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez doué. Oui, il y a un grand bâton. Super. Sauf que les gens sur YouTube, ils ne le verront pas. Voilà. Donc, en gros, vous voyez, on dirait qu'on est un petit peu au-dessus des simulations. Alors après, il faut comparer avec les autres. Hein. Les autres, c'est le résultat suivant. Vous voyez, là, vous avez des points avec des grandes barres d'erreur. Donc ça, c'est un échantillon qui a été observé, pas le nôtre. Donc nous, on retrouve notre point qui est là. Et là, on a le nuage de points de concentration en fonction de la masse de la map pour des objets réels. Puis là, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas si différent de ça que les autres observations. On tombe davantage. Alors évidemment, les erreurs sont énormes. Ça ici, là, ce sont des objets détectés par un lentillage faible, comme le nôtre. Et vous voyez que, bon, globalement, on a l'air d'être assez normal dans notre nuage de points. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur les résultats. Un autre petit résultat qui consiste à trouver des méthodes faciles de faire des mesures de richesse ou de luminosité en fonction de mesures toutes simples, observables directement sur les objets. Et là, la mesure qu'on a essayé de tester, c'est la distance entre les arcs gravitationnels d'un bout à l'autre du groupe. Et vous voyez que c'est une méthode qu'on peut ajuster et qui est assez propre pour essayer de détecter notamment un rayon d'Einstein en fonction d'une séparation en haut. Et donc, on peut récupérer la luminosité d'un objet assez facilement à partir de ce fameux rayon ici qu'on a mesuré directement sur l'image. Et donc, il y a des règles comme ça, assez simples, qui nous permettent de préparer l'avenir, c'est-à-dire préparer les échantillons où on aura 100 000 objets et qu'on ne pourra pas faire à la main, un à un. Il faut des méthodes automatiques. Voilà. Les effets d'échelle, les effets d'échelle qui relient la masse avec la lumière, je vous en ai parlé, ce sont des effets qui sont dominés par la cosmologie. On voulait voir si nos groupes
représentée ici pour quatre valeurs différentes de dispersion de vitesse, suivent ces valeurs d'échelle ou non ? Suivent des valeurs d'échelle. Est-ce que ce sont des groupes qui semblent être sensibles aux effets cosmologiques ? La réponse est oui. Ça ressemble à pas mal à des facteurs d'échelle avec les erreurs associées. Hein, vous voyez, les erreurs sont quand même assez grandes. C'est pas facile de faire les mesures. Si on les compare avec d'autres types de groupes, là, les points rouges, ce sont nos groupes de galaxies. Les points, les triangles bleus, ce sont des amas de galaxies, donc plus massifs. Et vous voyez qu'on semble avoir une à l'intérieur des erreurs, un offset, donc les amas de galaxies semblent être un petit peu en dehors du facteur d'échelle qui relie la masse des groupes avec la richesse, c'est-à-dire le nombre de galaxies. Et ça, ce sont des effets qui sont prédits par la cosmologie. Donc on s'attendrait à ce que les groupes suivent, prolongent les valeurs données par les amas. Ça ne semble pas être le cas. On semble être un petit peu en dessous de la valeur attendue pour des petits amas de galaxies. Voilà. On peut faire des suivis en X de nos groupes. Et là, on voit un groupe qui a une distribution en lumière et en masse de Wick de Lensing, donc la matière totale en bleu, en blanc. Les isotopes en blanc, vous voyez, sont séparés en deux parties autour de deux sous-groupes de cet objet. Et puis en bleu, vous avez l'émission en X. Et vous voyez que les deux sont décorrélés. Et ça, ben, on ne s'y attend pas. On s'attend à ce que la distribution du nuage X superpose exactement la distribution de la matière totale de l'amas. Ce n'est pas le cas, donc pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on voit ici une décorrélation entre la matière sombre et la matière lumineuse ? Est-ce qu'on voit tout simplement deux groupes qui sont en train de fusionner, qui ne sont pas les mêmes ? Il semble que ce soit la deuxième solution. Bien, j'avais promis que je ne ferais pas plus qu'une heure, donc je vais tout de suite passer aux perspectives. Et les perspectives, eh bien, elles sont très très intéressantes pour les groupes de galaxies. Dans les années qui viennent, à partir de l'année prochaine, enfin dans 2 ans pour ce qui est de Euclide, on va avoir une série de missions spatiales qui vont être lancées année après année et qui vont nous donner un potentiel extraordinaire dans le nombre de groupes de galaxies qu'on va pouvoir détecter. Donc là, on parle vraiment d'accumuler un échantillon de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers de groupes de galaxies, détectés par effet de lentille dans mon cas, mais détectés par toutes sortes d'autres moyens. Et là, on franchit le million d'objets. Donc Euclide, c'est une mission spatiale qui va être lancée en 2023, qui va couvrir l'ensemble du ciel, donc 15 000 degrés carrés du ciel extragalactique, donc au pôle nord et au pôle sud de la galaxie. Et on va faire une immense carte dans une bande visible, donc on va faire une photo avec une bande en visible, et quelques bandes en infrarouge pour nous donner une idée de la couleur des objets. Et cette mission a été créée pour sonder la matière sombre et les composantes sombres dans l'univers. Donc l'énergie sombre et la matière sombre. Et moi, elle m'intéresse principalement pour le nombre de lentilles que je vais être capable de trouver. Vous voyez, on s'attend à ce que sur 15 000 degrés carrés, on détecte environ 100 000 candidats de lentilles fortes, parmi lesquels on devrait avoir quelque chose comme 10 000 groupes de galaxies et 1 000 amas, détectés uniquement par effet de lentilles. Vous voyez, je passe de 120, dans mon cas, à 10 000 objets. Donc là, on passe dans un autre domaine d'analyse qui est beaucoup plus important. Et donc, on prépare activement cette mission au sein des groupes de travail, notamment toutes les méthodes automatiques. Vous avez quelques milliards d'objets, vous devez extraire 100 000 objets parmi ces milliards. C'est compliqué. Il faut développer des techniques très, très spécialisées et très robustes pour extraire uniquement l'objet qui nous intéresse sur les milliards qui ne nous intéressent pas. Donc, tout ce travail d'analyse est fait aujourd'hui. Cette mission Euclide va être suivie par des missions alors chinoises au centre, hein, je ne sais pas si on aura accès aux données, mais c'est une magnifique mission avec un système optique Orax, donc qui va nous donner une pureté de forme des images qui va être exceptionnelle. Et puis après, une mission en infrarouge qui fera à peu près la même chose que Euclide, mais qui sera un peu plus grande et qui va nous permettre de sonder la partie infrarouge de l'univers. Donc dans l'espace, la mission spatiale Euclide, puis la mission Xuntian et WFIRST. Au sol,
toute une série de grands télescopes. Donc là, vous avez toute la panoplie des télescopes aujourd'hui disponibles. Le VLT, le Keck, le Grand Tecan, Subaru et SALT, NTT et c'est tout. Ensuite, vont être construits d'ici quelques années le LSST, Large Survey Telescope, qui va faire une couverture du ciel complète en 4 jours dans toutes les bandes visibles. Et donc, qui va nous donner à la fois une bonne profondeur dans les objets et une mesure temporelle pour chacun des objets. Donc, on va entrer dans le domaine de l'étude de variabilité des objets. Le LT, qui est en train d'être construit à l'ESO, dans l'ordre d'arrivée. D'abord, le Large Synoptic Telescope. Ensuite, le LT, qui est un télescope de 39 mètres au Chili. Donc lui qui sera optimisé pour étudier les objets un à un, mais de façon très très précise et très profonde. Le 30 meter télescope, qui, le pauvre, est un peu victime des autochtones hawaïens, hein, donc lui il a un peu de mal, hein, il a pris un peu de retard, mais qui on l'espère sera construit assez vite. Voilà, au sol on a une batterie d'instruments qui vont pouvoir suivre les détections prises dans l'espace. Et je termine sur une mission spatiale, qui est la mission Athéna. La mission Athéna, c'est une mission X qui est pilotée par mon laboratoire à Toulouse, qui est le chef de projet. Et cette mission va permettre, par sa sensibilité, vous voyez ici les chiffres, je vais agrandir un petit peu. Vous voyez ce que vous avez ici, c'est le nombre d'objets détectés prévus en fonction du rugissement. Donc 0, c'est aujourd'hui, et puis 2,5, hein, c'est il y a 10 milliards d'années. Et en fonction de la masse des objets, hein, c'est la première colonne. Et vous voyez qu'en fonction des différents modèles, des différentes fonctions de masse qu'on ne connaît pas, donc il faut les imaginer, on peut observer jusqu'à 10 puissance 13, c'est les groupes de galaxies, jusqu'à 50 000, 60 000 objets, pratiquement jusqu'au début de l'univers. Et proche de nous, on peut détecter à peu près tous les groupes de galaxies. Donc ce satellite X va permettre de détecter tous les groupes un peu massifs dans l'univers, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la limite visible optimalement. Et donc on a très très hâte qu'il soit lancé. Malheureusement, il ne sera pas lancé avant 2030, hein, donc je pense que vous aurez largement le temps de finir vos études, pour ceux qui sont en train de les faire, et d'utiliser les données. Voilà, je m'arrête là, et je répondrai à vos questions si vous en avez. Pas de son. Maintenant on m'entend. Oui, je disais merci beaucoup Rémi pour cette présentation. Alors il y a différentes questions sur le chat, je vais en retranscrire quelques-unes, il y aura peut-être des questions dans la salle, donc préparez vos questions, je vais vous passer le micro. Je vais commencer par une question qui était sur le chat, qui était au tout début, qui a un petit peu répondu, mais peut-être tu peux un peu revenir là-dessus pour résumer. Pourriez-vous préciser comment la formation d'amas galactiques est conciliable avec l'accélération de l'expansion de l'univers ? Ça semble un petit peu paradoxal, en effet, si tout s'étend, et même de plus en plus vite, on se dit comment on arrive à maintenir des structures là-dedans ? C'est une des composantes à prendre en compte dans la formation du nombre d'objets, et en réalité, en fonction de la quantité d'énergie sombre ou de matière sombre, le nombre d'objets créés ne va pas être le même. Donc en fait, on utilise le fait que le nombre d'objets créés, le nombre d'amas créés dans l'univers dépend de la quantité d'énergie sombre et de l'intensité de cette énergie sombre pour émettre une prédiction, parce qu'on peut compter le nombre d'amas. Et donc on retourne la question et on se dit, puisqu'on voit tant d'amas, à ce moment-là, l'énergie sombre ne peut pas être plus élevée que tant. D'accord ? Et donc la quantité, la densité de matière dans l'univers ne peut pas être plus grande. Typiquement, admettons qu'on ait une accélération de l'expansion de l'univers qui soit bien plus élevée que celle qu'on a. Il n'y a plus de formation de rien du tout. Hein, il n'y a que les objets formés gravitationnellement et qui sont confinés qui continuent d'évoluer. Hein, tous les objets entre eux ne peuvent pas fusionner. Donc dès qu'on sort du domaine du confinement gravitationnel, bah les objets ne se parlent plus, ne se rencontrent plus. Ok. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, je transmets le micro. Ah oui, merci beaucoup pour votre bel exposé.
J'en ai une, elle est peut-être naïve. Mais enfin, grosso modo, la matière noire, c'est 5 fois la masse baryonique d'une galaxie. Et je pense que ça doit faire 5 fois aussi la masse baryonique d'un amas. Bon. Mais il y a une fois la masse, cette matière noire, elle est contenue... J'ai pas bien entendu. À l'intérieur de la masse baryonique, enfin, pour une fois, et 5 fois autour. Et ça, dans un volume qui est 5 fois celui de la galaxie, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surdensité. Est-ce que ça ne modifie pas ? Je ne me suis pas bien fait comprendre. Non. Ah oui. Je ne comprends pas votre question. La matière noire, c'est, mettons, 6 fois la masse baryonique. D'une galaxie, ne parlons plus des amas. Bon. Et sur ces 6 fois, il y en a une fois qui est à l'intérieur de la galaxie et 5 fois qui sont autour de la galaxie. Et ça, dans un volume qui est 5 fois celui de la galaxie pour qu'il n'y ait pas d'accord, de différence. D'accord, je comprends, oui. Est-ce qu'une telle répartition de la matière noire, ça ne modifie pas le lentillage, et est-ce qu'on ne pourrait pas le voir à travers le lentillage ? Alors, les effets de lentille forte ne sont visibles que dans une zone très très réduite des objets. Hein. Là où on est dans une zone surcritique, où il y a à la fois une concentration surtout de matière sombre, mais aussi de matière baryonique. Hein. Et à cet endroit, au centre des objets, vous avez suffisamment de matière pour, en gros, multiplier par 2 la taille d'un objet, donc former 2 objets. Donc une image multiple, c'est ça la définition de la matière sombre. Je corrige un petit peu votre mesure, il y a beaucoup plus que 5 fois plus de matière sombre que de matière lumineuse autour des galaxies. Hein? On est plus proche du facteur 100 que du facteur 5. Hein? Oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Donc il y a beaucoup plus de masse. Plus on s'éloigne, plus... Le halo est énormément plus grand que la matière baryonique qui est au centre, et le volume est beaucoup plus grand que 5 fois. Enfin, c'est très très grand, hein? Donc il y a beaucoup plus de matière invisible, disent les modèles, ou les observations, ou les interprétations des effets de lentilles. Vous avez dit qu'il fallait que ça soit la même densité que la matière baryonique. Hein, non, mais au centre de l'objet. Mais le halo est beaucoup plus grand. Donc il y a beaucoup plus qu'un facteur 5. Hein. C'est plus un facteur 100. Peut-être si je reviens sur une question sur le chat, quand tu as montré donc ta méthode de lentillage gravitationnel, oui. Donc il y avait une question qui était comment faites-vous la différence entre la matière noire et les nombreuses galaxies naines si on ne les voit pas, des toutes petites galaxies qu'on ne verrait pas, comment distinguer les deux ? Alors, en masse, le nombre de galaxies naines ne représente rien du tout. Donc on peut totalement les ignorer. D'accord ? Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc en fait, on ne voit que la matière invisible, hein, que la matière noire. Peut-être que tu peux donner une information sur comment on connaît la masse de ces galaxies naines, comment on sait justement que ça ne représente rien ? Ah, ben parce qu'autour de nous, on fait des mesures, on calcule combien il y a d'étoiles, et puis 1 million d'étoiles, c'est rien, hein, pour une galaxie qui fait 100, 200 milliards d'étoiles. Donc c'est vraiment des tout petits objets. Ce sont des objets qui sont à la fois faibles en masse et faibles en luminosité. On ne les voit pas sur le ciel parce qu'il y a tellement peu d'étoiles qu'au bout d'une certaine distance, on ne les voit plus. Donc elles sont trop... Enfin, on ne les voit plus parce que nos télescopes ne sont pas assez puissants, hein, bien sûr. Mais si on avait des télescopes géants, on y arriverait. Voilà. On est limité par nos moyens observationnels. Donc, les galaxies naines... On ne les voit pas. En revanche, on peut voir des halos prédits autour des galaxies normales, un petit peu plus gros que les galaxies naines, et qui sont prédits par la théorie, mais qu'on ne voit pas. Hein, c'est ce qu'on appelle le problème du nombre de galaxies d'objets faibles. Les modèles prédisent qu'on devrait avoir 10 fois plus de galaxies naines autour des galaxies massives que ce qu'on ne voit. Hein. Donc ça, c'est un des soucis du modèle standard de création hiérarchique. On ne sait pas pourquoi, mais on ne forme pas assez de galaxies. Peut-être qu'on les forme et qu'on ne les voit pas. Donc c'est une des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ok, et alors une question de moi. Juste quand tu as présenté cette méthode de lentillage gravitationnel, tu as dit on a trouvé ça de manière fortuite. Alors, puis tu n'es pas tellement revenu là-dessus. En fait, comment ça a été mis au point, en quoi c'était fortuit ? Ah, le fait de chercher des lentilles gravitationnelles, ce n'était pas fortuit du tout. Ce qui était fortuit, c'est le fait qu'on les trouve dans un certain intervalle de masse.
Et en fait, c'est uniquement dû à l'efficacité de ce sondage particulier, de sa sensibilité, de sa profondeur, qui fait que ça a été le premier sondage à pouvoir détecter ce type d'objet. Avant ça, on détectait des lentilles gravitationnelles très compactes, en gros, par exemple, des quasars multiples, ou géants dans les amas de galaxies, hein, parce que c'était très gros, très brillant, et donc on voyait les arcs. Mais les groupes de galaxies, ça fait des arcs pas très brillants, pas très grands, intermédiaires, donc pas assez brillants pour les voir sous forme de galaxies, et pas assez brillants pour les voir sous forme d'amas. Donc en fait, on a commencé à les détecter à partir de ce sondage, et puis depuis, on a détecté d'autres, bien sûr. Hein. Tous les sondages suivants ont permis de détecter quelques dizaines de groupes de galaxies dans les sondages. D'accord. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou commentaires ? Non, pas pour l'instant. Alors, il y en a d'autres sur Internet. Il y en avait une autre sur la simulation que tu as montrée, là où tu avais les trois écrans, les trois panels, là. Sur cette simulation, on a l'impression que la matière noire n'est pas expulsée, contrairement au gaz. Pourquoi ? Alors, peut-être tu peux revenir sur cette impression-là. Alors, la matière noire, elle a été inventée... Peut-être que tu as moyen de remontrer la simulation pendant que tu l'as décrit. Oui, on va remonter la simulation. Vous savez, la matière noire, c'est un objet physique qui a été inventé pour résoudre un problème. Je dis inventé parce qu'on ne l'a pas découverte, on ne la mesure pas. On voit des effets indirects qui semblent nous dire qu'elle est là, mais quand on essaie de l'observer, on ne la voit pas. Donc on l'a inventée. Et on l'a inventée, et on s'est dit, on va simplifier la vie, on va lui donner les propriétés qu'on veut qu'elle ait pour que ça résolve notre problème. Et les propriétés, c'est matière qu'on ne voit pas, puisqu'on ne la voit pas, qui n'interagit pas avec la matière baryonique, donc pas d'interaction directe, et qui est froide, c'est-à-dire qu'elle-même n'a pas une vitesse, une température très, très élevée. D'accord ? Et ce sont les caractéristiques dont on avait besoin pour reproduire la structure à grande échelle telle qu'on la voit aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la question, la matière noire ne peut pas interagir avec la matière et avec le gaz. Tout ce qu'elle fait, c'est s'accumuler, et puis ensuite, s'accumuler dans les halos de matière noire et sombre. Donc j'essaie de vous retrouver les simulations. Voilà, c'est bien là, ça. Ça. C'est celle-ci hein, qui voulait voir. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, cette matière sombre, c'est la fabrique de l'univers qui est remplie d'un fluide cosmique non collisionnel, donc qui n'interagit avec rien, qui est juste là pour augmenter la quantité de gravitation que vous avez au foyer de ces filaments de matière sombre. Et donc la matière s'accumule petit à petit à ces endroits-là et attire la matière normale dans ces puits de potentiel qui permettent de créer des galaxies à ces endroits-là. Ça répond à la question ? Je crois en partie. Oui. Bon. Il y a une autre question, alors je ne sais pas si c'est vraiment les perspectives, mais les ondes gravitationnelles peuvent-elles apporter des nouvelles infos dans ce contexte-là ? On a un nouveau messager depuis quelques années, les ondes gravitationnelles. Donc dès qu'on a des choses à grande échelle où il y a beaucoup de masse là quand même, est-ce que là, les ondes gravitationnelles peuvent apporter quelque chose ? Alors je ne suis pas spécialiste des ondes gravitationnelles. Je vois mal comment les ondes gravitationnelles peuvent apporter des contraintes sur des densités aussi faibles que celles qu'on observe. Enfin, dès qu'il y a une asymétrie, il y a une onde qui est générée, mais elle n'est pas assez importante, je pense, pour être détectable. Ce n'est pas possible. Donc je ne vois pas comment. En revanche, les ondes gravitationnelles peuvent être amplifiées, elles, par effet de lentille. Il y a beaucoup d'articles qui essayent de décrire les équations et la phénoménologie attendue de l'amplification gravitationnelle des ondes gravitationnelles. Donc elles-mêmes sont sujettes à l'amplification. Ok. Peut-être une autre question. Au tout début, tu as montré le taux de formation d'étoiles donc, qui augmente et puis qui rediminue. Et puis tu as dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment on mesure ça. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais peut-être tu peux nous donner quelques éléments, comment on mesure ça, le taux de formation d'étoiles. C'est ce qu'on appelle des traceurs de formation, qui sont des émissions très précises, par exemple des émissions atomiques que l'on repère dans les étoiles jeunes, par exemple, ou dans le gaz
chaud. Alors il y en a en ultraviolet, puis il y en a aussi en infrarouge. Et donc il y a un ensemble de techniques qui permettent, par la détection d'une émission en H-alpha, enfin d'une émission en particulière, de reconstituer la quantité de gaz présent en train de former des étoiles. Ok. Alors, je repose dans la salle. Y a-t-il des questions dans la salle, vu qu'on a du public ? On a du public, mais il est encore timide. Si, on a une question. Oui, du coup, je voulais savoir, en fait, quelle était la conclusion, en fait, c'est moi qui parle, la conclusion de travailler à cette échelle-là, un peu intermédiaire, parce que j'ai l'impression qu'il y avait... En fait, il y a une section en fait, entre cette échelle intermédiaire et puis les amas. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas de lien qu'on a trouvé ? C'est-à-dire que comme on n'était pas bien sur la même tendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a peut-être dans la théorie un plancher à partir duquel l'échelle fait que la théorie n'est plus la même ou... voilà, c'est non, juste... non, c'est plutôt que les effets ont été effacés par l'amas lui-même. Les amas massifs ont un potentiel et une vie beaucoup plus dense et leur ça efface les traces de potentiel d'effets locaux. Alors il y a les effets de rétroaction dans les amas. Hein. À l'échelle des amas, il y a aussi des effets de rétroaction qu'on peut mesurer. Mais les effets les plus subtils sont probablement écrasés par l'amas lui-même et par la dynamique, l'intégration dans le temps de la formation des étoiles et du milieu inter-amas. Hein. Uniquement par le nombre d'objets que vous avez. Un amas, ça peut avoir plusieurs milliers de galaxies et donc elles vont interagir et elles vont probablement gommer un certain nombre de caractéristiques liées au groupe et que l'on voit parce que le groupe est trop petit pour perdre cette dimension. Merci. Y a-t-il une autre question ou un commentaire dans la salle ? Non, je crois. Non ? Eh bien, je vous propose d'arrêter là. Merci de nouveau, Rémi. Et puis, donc, nous, ici, pour nos conférences publiques, je vous rappelle que nous nous retrouvons le mardi 2 novembre prochain. Nous aurons Gwenaëlle Bouet, donc de l'Observatoire de Paris, qui nous parlera de l'inclinaison de Saturne, et donc ce sera diffusé en direct sur YouTube, mais il y aura possibilité pour quelques personnes de venir dans notre amphithéâtre, et donc les invitations seront à demander sur notre site internet d'ici quelques jours. Voilà, merci, bonne soirée.